Je crois que j'aurais adoré qu'on m'appelle Tom Sawyer. Moi, quand j'étais petit, j'adorais faire des cabanes, aller dans les bois, dans la nature, être en connexion avec les éléments, créer, bricoler, m'inventer mon monde aussi. Au fond, je crois que j'aurais adoré grandir au Canada, par exemple, dans les grandes vallées du Yukon, avoir ma maison en rondin de bois, ma horde de chiens-loups et puis mon traîneau pour sillonner toutes les forêts enneigées l'hiver. Sauf que moi, quand j'étais petit, on me chantait le petit quinquin. Ah ouais, je viens du nord de la France, au pays des chicons, des corons, du carnaval de Dunkerque. C'est pas mal non plus. Je m'appelle Hubert. Hubert Mott. Mais pourtant, la marque que j'ai créée, elle a un petit côté anglo-saxon. La vie est belt. Belt, comme une ceinture en anglais. Sacré jeu de mots, non? On est une marque d'accessoires de mode en matière revalorisée, qui sont confectionnés solidairement dans le nord de la France. Alors évidemment, avec ce nom à l'anglaise, j'interpelle, mais pas seulement. Moi, j'aime, chez les anglo-saxons, la métaphore de l'engagement entrepreneurial. Ils aiment dire « take a chance ». Et nous, en France, on a plutôt l'habitude de dire « prendre un risque ». Sauf que moi, je me sens plus proche des chances à saisir que des risques à prendre. J'adore innover, défricher. J'adore être comme un Tom Sawyer de l'entrepreneuriat. J'adore faire autrement. Et tout ça, ça m'amène à provoquer des chances. Pour moi, le seul risque, c'est celui de rester figé, à s'ennuyer, et finalement ne jamais se réaliser. Je vais bientôt avoir 30 ans. Mais voyez-vous, je reste vigilant à garder une petite place à mon enfant libre en moi. Tracer sa route pour se réaliser, troquer nos doutes contre les chances à provoquer. Alors, j'ai grandi entre le Nord-Pas-de-Calais et la Bretagne, parmi les scouts et le dernier d'une famille de 5 mecs. Lorsque j'ai 14 ans, alors que je suis en pleine construction identitaire, je vis comme ma première grosse désillusion. Comme un décalage entre ce que je projetais de la famille idéale et ce que je vis. La séparation de mes parents. Ah ouais, j'ai grandi depuis. En réponse à tout ça, je décide de tracer ma route. Et je pars vivre dans la famille d'un pote pendant 4 ans, jusqu'à mon bac. Et ça, c'était géant. Ça me fait particulièrement plaisir de jouer avec cette guitare, parce que c'est ce pote qui m'a offert cette guitare au moment du bac. Alors, Sarto, si tu m'écoutes. Lorsque j'ai 20 ans, j'ai besoin de concret. Je choisis de faire des études d'ingénieur, mais en alternance. Et c'est comme ça que je me retrouve à être ingénieur produit textile chez Decathlon. Je suis basé dans les bureaux d'études des marques de montagne, à Sallanches, en Haute-Savoie.
Et là, je mets au service de la création de produits, du développement des produits, ma créativité, ma curiosité, ma débrouillardise. Et ça m'éclate. J'adore passer de sessions brainstorming, de créativité, d'idées, à du concret, de la matière, des protos, des produits. J'adore l'agilité et le dynamisme qu'on trouve dans le travail en équipe. J'adore la liberté aussi, qu'on a, enfin la liberté managériale qu'il y a dans une entreprise comme Decathlon. Ça me fait du bien aussi, moi qui viens du plat pays, de voir d'autres horizons, des montagnes, et d'autres types de personnes aussi. Je passe beaucoup de temps dans la nature. Mais malgré tout ce que je viens de vous lister là, il y a un truc fondamental qui ne me convient pas. Mais je ne suis pas fier de l'impact de mon boulot. Et ça, je le vis comme une deuxième grosse désillusion, comme un décalage entre le métier que j'avais toujours rêvé de faire, ingénieur chez Decathlon, que tous mes potes de promo rêvaient de faire aussi, j'avais été pris, yes, j'y vais. Et je le vis enfin. Et, bah en fait, l'impact que ça laisse. Faire fabriquer par millions des t-shirts à l'autre bout de la planète pour les vendre quelques euros dans des grandes surfaces, avec des impacts écologiques qui sont désastreux et qui participent à des emplois avec des conditions que personne ne souhaite ici. Et ça, c'est une réalité de notre monde. Et y participer, pour moi, bah, c'est pas OK. Pourquoi on pousse les gens à consommer toujours plus alors qu'on a de moins en moins de ressources? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre que ce système est dans une impasse. Et moi, les impasses, c'est pas trop mon truc. Alors j'ai quitté Decathlon et je suis parti prendre l'air en Colombie. Là-bas, j'ai fait mon projet de fin d'études. J'ai joué de la musique, j'ai voyagé à vélo, en stop, à pied. Et je me suis impliqué dans un projet solidaire dans un quartier défavorisé au sud de Bogota. Et riche de toute cette expérience, mon diplôme d'ingénieur enfin en poche, je suis rentré au pays, du petit quinquin, à Lille. Ça, c'était fin 2016, j'avais 23 ans, et dans ma nouvelle colocation lilloise, dans la cave, j'ai installé mon atelier. Mon atelier comme ma cabane d'adulte, ou comme mon refuge de montagne. Et c'est là, en connexion avec ce qui m'anime, avec le fruit de mes réflexions, de mes expériences, avec mes doutes aussi, que j'ai créé La Vie est Belle. Sans école de commerce, sans business plan, sans stratégie à 5 ans, mais avec une connexion forte avec mes valeurs et une quête d'alignement. Si tu arrives au stand au passage. On se fait un petit tour. Tracer sa route pour se réaliser, provoquer nos doutes contre les chances à provoquer. Et ça fait tracer sa route pour se réaliser et troquer nos doutes contre les chances à provoquer. Chercher l'alignement, pour moi, c'est chercher la cohérence qu'il y a entre ce qu'on a dans la tête, dans le cœur, et ce qu'on met dans ses mains. Pour moi, chercher l'alignement, c'est aussi apprendre à relire sa vie et en tirer des enseignements. Comme un Bernard Moitessier. Vous savez, c'est ce navigateur qui a abandonné une course en solitaire autour du monde alors qu'il était premier. Et il a fait ça pour vivre autre chose, pour être plus proche de qui il est vraiment. Car être pleinement soi-même, c'est peut-être ça la clé de l'épanouissement. Et quand on est épanoui, on rayonne et on met toutes les chances de son côté pour le rester. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est de construire un schéma qui soit vertueux pour la planète et pour l'humain. Mon côté Tom Sawyer me pousse à le faire
concrètement, avec mes idées et mes mains. Premier constat, plutôt que de continuer à exploiter le peu de ressources qui nous restent et de continuer à entasser des déchets chaque année, eh bien, faisons avec l'existant. Moi, je roule à vélo tous les jours, les pneus de vélo usés. Plutôt que de les mettre à l'incinération, comme les plus de 10 millions de pneus de vélo qu'on brûle chaque année, bah autant en faire quelque chose. Vous me voyez venir avec les ceintures. Autant en faire des ceintures, par exemple. Elles sont solides et... Mesdames et messieurs, je vais vous montrer une ceinture en live sur ce plateau, s'il vous plaît. Applaudissements. Vous êtes prêts? Elles ont du style. Quand même. C'est comme les vieux draps et les housses de couette, plutôt que de les jeter avec les centaines de milliers de tonnes qu'on jette chaque année en France. Bah autant en faire quelque chose. Des chouchous, des culottes, des caleçons. Ils sont solides. Et... Ouais, non. Vous irez voir sur le site internet, ça vous dit? Parce qu'après, on va sortir du timing, ça va être un peu... Deuxième constat. Plutôt que délocaliser loin, avec des conditions de travail opaques, eh bien faisons avec les gens autour de nous. Et dans nos régions, des gens en galère qui ont vraiment besoin d'un emploi, ben, il y en a plein, et beaucoup trop. À côté de chez moi, à Tourcoing, à Roubaix, ce sont des villes où le taux de pauvreté est deux fois plus important que la moyenne nationale. Et c'est là-bas que, grâce à une entreprise adaptée, j'ai formé des opérateurs en situation de handicap pour confectionner nos produits. Et je peux vous dire une chose, quel plaisir que de voir Christophe ou encore Adama avec le sourire et fier d'avoir appris à transformer un pneu de vélo en une ceinture. Alors désormais, je m'éclate dans mon boulot et je suis fier de l'impact de mon boulot. Et ça, c'est géant. Coupure pub. Salut, moi c'est Hubert, et chez moi j'ai ça. Ça, c'est un vieux drap que je vais jeter dans une bande de collecte. Trop vieux, trop vu. Et nos stations de tri en débordent. Chaque année en France, il y a près de 200 000 tonnes de textiles qui sont collectées, qui sont triées, pour être vendues soit en seconde main, ou pour être broyées, comme la plupart des draps et des housses de couette. Nous, on a décidé de le revaloriser en France, en confectionnant des accessoires stylés. Alors on les lave, on les repasse, on les assemble en paire pour leur donner un style unique, et le tout est confectionné ici, à Roubaix, par les équipes de Plateau Fertile. Mais au fait, depuis tout à l'heure, je te parle d'un truc. Tu sais ce que c'est? Nous sommes très heureux de te présenter le caleçon 2.0. C'est LE caleçon éco-responsable. Local, confort et au style unique. En fait, moi c'est Hubert et j'ai fondé La Vie est Belle en 2017. Depuis, on a revalorisé plus de 2 tonnes de pneus de vélo usés en ceinture. Tout ça en participant à l'emploi de 2 personnes en situation de handicap dans le nord de la France. Alors aujourd'hui, avec Camille et Roman, on est très heureux de te proposer un nouveau produit chargé de sens. Alors rejoins-nous dans cette folle aventure, précommande ton caleçon sur notre campagne et n'oublie jamais une chose, tout devient possible quand la vie est belle. Le tout, c'est d'y croire. La vie est belle, ou en quelque sorte, on essaie de rendre la vie plus belle avec des ceintures et d'autres accessoires de mode. Mais on n'est pas dans le monde des bisounours. On sait très bien qu'on ne va pas changer le monde à nous tout seuls. En revanche, on participe à un autre récit, à une autre manière de faire. On prouve qu'on peut allier rentabilité financière et emploi solidaire et revalorisation de matière. Ce qui m'éclate aussi dans cette aventure, c'est qu'on redonne de la saveur aux produits qu'on consomme. Chez nous, les produits ont une âme. Des vieux caoutchoucs patinés par le temps et les chemins empruntés. Nos produits ont une vraie histoire à raconter. Ils ont une singularité. Des ceintures faites avec les pneus qui ont roulé le Tour de France, issus des équipes professionnelles.
Des caleçons qui sont faits à partir des draps, des trains-couchettes de la SNCF. Merci. Ou encore, des ceintures qui sont faites à partir des tuyaux de lance-incendie des pompiers du Nord. Bah, ça a quand même plus de saveur qu'une ceinture Zara ou qu'un caleçon H&M, non ? Il y a peut-être des gens ici dans cette salle qui doivent se dire « Bon, il est mignon, lui, avec ses cheveux ébouriffés et sa guitare, hein, mais il faut quand même faire tourner la boîte. Ça marche, cette affaire ?» Ça fait 5 ans que la vie est belle existe, et dès la première année, on a été rentable. On est autofinancé, on n'a ni actionnaire et ni emprunt bancaire. Notre budget publicité, c'est 0 €. On a confectionné et vendu plus de 40 000 produits. On a revalorisé plus de 13 tonnes de déchets. Et aujourd'hui, en 2022, on participe à l'emploi de 12 personnes dans le nord de la France. Et tout ce que je viens de vous lister là, c'est une succession de chances saisies, bien plus que de risques pris. Tracer sa route pour se réaliser, croquer nos doutes contre les chances à provoquer. Si vous aviez vu la tête de ma mère quand je lui ai dit je refuse l'offre qu'on m'a faite, rester chez Decathlon en CDI. Je préfère couper des pneus usés dans une cab chez des copains, refuser un confort trop facile pour plutôt suivre mon chemin. Et pour tracer la route et me réaliser, croquer nos doutes dans tes chances à provoquer. Maintenant, j'ai 29 ans et toutes mes dents du verbêtre, je veux rester fidèle, tout comme elles reviennent chaque printemps, quoi qu'il arrive des hirondelles. Puisqu'il faut savoir prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres. Parce qu'il y a urgence, mesdames et messieurs, et de la vie, nous sommes apôtres, alors traçons nos routes et nous réaliser. Croquons nos doutes contre les chances à provoquer. Merci à vous.